Salut, c'est Pierre Di Perrin, bienvenue sur ma chaîne ELEC. Alors aujourd'hui, petite vidéo test ou aux nouvelles, c'est comme vous voulez. Alors aujourd'hui, ça fait un moment que je dis que j'ai une EPA qui a resservi, donc voilà, ma Mazda EPA 250 a repris comme du service, comme vous avez pu le lire dans le titre de la vidéo. Alors ça fait un moment que je voulais tourner cette vidéo, mais bon, à chaque fois que je voulais le faire, il y avait toujours du monde ici. Donc en fait, c'est un local qu'on loue avec des collègues pour faire de la mécanique. Voilà, sur mes véhicules anciens, à voir sur ma chaîne auto si ça vous intéresse. Donc voilà, ma Mazda EPA 250. Qui pour l'occasion, voilà, parce que on a loué ce local et on n'avait pas d'éclairage extérieur quand on partait le soir, si jamais on partait tard. Et je me suis dit, plutôt que mettre un projecteur LED ou halogène, je me suis dit que vu la vétusté, enfin la... Moi, je dis vétusté, mais sinon c'est un design sympa du bâtiment, je vais dire plutôt. Je me suis dit pourquoi pas ressortir une de mes vieilles EPA avec un Mac que j'ai récupéré chez un collègue qui bosse à l'EDF. Voilà, il avait démonté ça sur un poteau en béton. Donc il en avait récupéré plein. Moi j'en ai récupéré 2-3. Enfin voilà, c'est plutôt sympa. Allez, je vais vous l'allumer de jour et après je vous ferai une démonstration de nuit. Bon, j'ai refait, bon, sans commentaire pour le tableau électrique, j'ai refait le tableau comme j'ai pu. Alors, pour commander le lampadaire qui est juste là, en fait. Voilà. Alors, soit on le fait marcher normalement en actionnant ce levier. Bon, j'ai ressorti ce vieux levier industriel parce que je trouvais ça classe de l'actionner avec ça. Soit on déclenche une minuterie qui la maintient allumée pendant 7 minutes, le temps qu'on ferme les portes et qu'on s'en aille, le temps de fermer les portails, etc. Voilà, donc là, je vais vous l'allumer. Bon, par contre, je l'ai reconverti... en lampe 70 watts sodium, donc le ballast aussi je l'ai converti, c'est juste pour que la lampe soit le plus c'est juste pour que le lampadaire n'empêche et économe, parce que le 125 watts c'est 170 watts quand même que ça bouffe, mais en 70 watts pour le même lumens ça ne consomme que, bon allez, avec les pertes on va dire presque 90 watts. Bon, alors, la caméra, alors ça vacille à la caméra, c'est les 50 Hz qui fait ça, mais sinon, en vrai, elle vacille pas du tout. Hein. Même les néons à l'intérieur, on dirait qu'ils vacillent, alors que pas du tout. Les tubes fluo, pardon, excusez-moi. Bon, alors, comme vous pouvez le voir, à l'intérieur, il est toujours autant bombé, hein. Vous voyez bien que c'est le même. Je n'ai pas cherché à le redresser, j'arrive déjà pas à redresser la carrosserie d'une voiture, donc je ne vais pas m'amuser à redresser ça. Je préfère qu'il reste dans l'état actuel, voilà. Donc là, je teste avec l'autre caméra. Le problème, c'est qu'elle n'a pas d'écran, donc je ne peux pas me rendre compte si oui ou non elle vacille ou pas avec cette caméra. Je sais pas laquelle des deux caméras le plus d'images. Voilà, elle doit être en puissance maximale là. Bon allez. Je vais l'arrêter et je vais attendre qu'il fasse un peu nuit pour vous montrer comment ça éclaire un peu ce terrain. Voilà. Allez, à tout à l'heure.
Voilà, bon, il fait pas tout à fait nuit noire, mais. Enfin bon, on voit que ça éclaire un peu quand même. Voilà, après moi je l'ai réglé de façon à ce qu'il éclaire un peu plus sur les côtés. Parce que des fois on va là-bas, là ou là-bas. Ah, merde, faut que j'évite de filmer les plaques. Parce que des fois on va là-bas ou là-bas, enfin voilà. Ah voilà. Bon bah écoutez, voilà. Ma Mazda EPA qui reprend du service. J'avais bien essayé aussi de la faire marcher avec une ampoule mixte de 160 watts. Mais le problème c'est que je n'en ai qu'une. Et que le problème c'est que cette ampoule s'éteint au bout d'1 heure d'utilisation et met beaucoup de temps à refroidir pour se réamorcer. Donc, du coup, je suis repassé à la 70 watts sodium qui, elle, tient le coup pendant plusieurs heures. Son seul défaut, c'est juste qu'elle est longue à chauffer, mais bon. Bon, après, elle n'est pas si longue que ça, mais. Enfin, voilà, elle éclaire suffisamment pour fermer le verrou et fermer la porte et partir en voiture. Enfin voilà. Enfin voilà, si cette vidéo vous a plu, laissez un beau pouce bleu, un commentaire, voilà, si vous voulez me donner vos avis, etc. Enfin voilà, j'ai toujours pas. Après, j'essaie de vous mettre du contenu sur cette chaîne, mais c'est pas évident, je trouve pas de sujet intéressant, enfin qui me semble à mon sens intéressant. Après, présenter des luminaires, etc., c'est pas trop mon truc, hein. Il y en a déjà bien assez qui. Je note, je pense par exemple à ma collection d'éclairage public et EGEP que je suis et que j'adore du coup. Voilà, au bout de 7 minutes, la minuterie qui s'arrête. Voilà, donc c'était la Mazda EPA 250 qui reprend du service. Allez, à plus!